figure symbolique des cartes pour le signe du cancer. Donc je suis heureuse de vous accueillir si vous êtes cancer, ascendant cancer ou en signe lunaire. Eh bien, c'est une lecture généraliste, donc évidemment, elle peut ne pas vous parler, mais je pense quand même qu'elle peut avoir un sens pour vous. En général, on est tous touchés par les mêmes sujets dans la vie, sur tous les champs, tous les domaines nous concernent, que ce soit le champ professionnel, privé, amoureux, familial, ou que sais-je, spirituel ou autre, ou de la santé. Eh bien, on a tous des questionnements et cette lecture vise à répondre à votre quête, qui est celle qui apparaît au moment où vous tombez sur cette vidéo. Alors concrètement, comme je l'ai dit pour les autres vidéos, je ne mets pas d'importance sur le jour où je fais ce tirage, parce que ce qui est important, c'est le jour où vous le rencontrez. En réalité, c'est cette vidéo qui vous rencontre au bon moment. Alors vous savez, ça peut être donc une semaine, un mois, un an plus tard, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est au moment où ça coïncide que vous êtes en quête d'une réponse, d'une piste, d'une voie d'évolution sur la situation qui vous concerne. Et je vais tenter d'être claire pour vous donner cette réponse-là. Vous n'hésiterez certainement pas à me faire vos commentaires si ça tombe à propos, si c'est du grand n'importe quoi, si ça vous convient, si ça ne vous convient pas. Si ça ne vous convient pas entre nous, hein, on est adultes, hein, vous passez votre chemin, tout va bien, je ne m'en offusquerai pas. Et si ça vous intéresse, en revanche, j'apprécierais que vous vous abonniez parce que c'est ce qui va donner vie et forme à cette chaîne. Donc, je vous remercie vraiment, très sincèrement pour ça. Alors, on va commencer. Donc, comme je l'ai mis dans la vidéo d'introduction, voici les trois types de cartes que je vais utiliser. On va commencer par celle de gauche. Alors, pour vous, cancer. Voilà. Il est question de se surpasser. Eh bien, il est question de sortir un petit peu de sa zone de confort, de sortir un petit peu de ses habitudes, de sa manière de faire, de ses limites, de ses limitations. Vous avez peut-être, même si vous avez le sentiment de, eh bien, de faire des efforts, vous avez peut-être l'impression que vous pourriez faire plus. Vous êtes peut-être dans une période en ce moment qui vous invite à dépasser, hein, à vous surpasser, à y aller un petit peu plus costaud dans peut-être l'action, la décision. C'est peut-être une question de rapidité, c'est prendre une décision plus vite. Dépassez-vous, surpassez-vous, ça veut dire simplement ne vous contentez pas de votre mode de fonctionnement habituel. Même si dans ce mode de fonctionnement habituel, il y a des moments où vous faites des efforts et des moments où vous n'en faites pas. Il s'agirait de se surpasser. On va aller regarder ben, dans quel univers, dans quel champ, de quoi s'agit-il, pourquoi se surpasser, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Hein, cette problématique qui est certainement dans votre esprit pendant que je suis en train de vous parler de tout ça. On va aller regarder, mes chers amis cancers, se surpasser, à quel sujet. Le 19, on a ici la carte majeure du tarot qui correspond au soleil, hein, de manière plus classique. On est dans cette représentation qu'a choisi l'auteur de cette carte, un symbole rayonnant, la fraternité. Ensemble, servir la naissance d'une nouvelle ère. Le soleil, la réalisation de soi, la luminance, la rayonnance. Vous avez peut-être besoin de vous surpasser pour pouvoir être visible, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir exprimer pleinement ce que vous désirez faire. Et donc, vous êtes peut-être à l'aube d'une réalisation particulière, un projet, une grande décision à prendre, peut-être aussi prendre votre place au sein de la famille ou vis-à-vis de quelqu'un. Et vous savez, c'est ce besoin de rayonner, c'est-à-dire de, voilà, je me mets au grand jour. Je vais dire clairement les choses, je vais concrètement assumer ou ce que je dis ou ce que je fais, mais en tout cas, je vais le faire avec, je dirais, beaucoup de lumière. Hein, je prends le risque d'être visible. Je prends le risque, finalement, de déployer quelque chose. Hein, comme le soleil va déployer les rayons lumineux. Eh bien, pour aller vers ça, si c'est ce champ-là qui vous parle, s'il y a vraiment quelque chose à mettre au clair, à exprimer ou à faire, il s'agit de se surpasser.
Sinon, vous allez stagner, vous allez rester au seuil de la porte. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est important pour vous que vous y alliez. Il y a peut-être un frein, quelque chose qui vous empêche. Et s'il s'agissait peut-être que de se surpasser, on le ferait tous peut-être. On se dit, allez, on y met un petit peu tous les moyens qu'il faut. Peut-être que vous ne savez pas comment vous surpasser. Peut-être que vous ne savez pas ce qui manque, hein, ce qui serait concret à faire. Peut-être que vous avez un frein qui vous empêche de vous surpasser. La procrastination, un blocage, une peur qui vous empêche de mettre vraiment tous les éléments pour le faire. On va aller regarder de quoi il s'agit. Quel est ce frein? Quelle est peut-être cette croyance limitante ou cette situation à risque qui vous empêche vraiment d'être dans cette émergence, je dirais, lumineuse, claire, transparente. On va aller vérifier ça. Allez, une dernière fois. Hop. Voilà, je sens que ça se passe ici. le frein, c'est le partage. Il y a quelque chose dans l'équité, l'équilibre. Il y a quelque chose qui vous semble peut-être difficile. Donner, recevoir. Je sens ici pour vous que vous avez besoin d'équilibrer quelque chose, de vérifier si c'est gagnant-gagnant, de vérifier si vous allez aussi en mettant, en vous surpassant, en allant vers ce rayonnement, vers cette expression de vous, vers cette réalisation, ce projet ou cette annonce, hein, ça pourrait être de dévoiler votre amour à quelqu'un par exemple, hein. Vous avez la crainte que ce ne soit pas équivalent, que vous ne receviez pas autant que ce que vous allez donner, que ça ne va pas marcher. C'est ce qui vous freine. Donc c'est un petit peu comme si j'en vois pas le bénéfice, voyez ? J'en vois pas, je ne sens pas, je ne suis pas sûre du retour. Est-ce que ça, le jeu en vaut la chandelle, comme on dit? Alors, il y a des petites chandelles, vous voyez, c'est en plus amusant au niveau de cette symbolique. Il y a cet aspect qui dit quelque chose. J'aurais envie ici de vous encourager à considérer que ce que vous avez à faire ou que vous faites, c'est pour vous que vous le faites. C'est pas pour attendre quelque chose, même si c'est par exemple un projet. Je me dis, je rêverais de faire ce travail, mais je suis encore bloquée aujourd'hui dans ce poste que j'occupe. Est-ce que je prends le risque, voilà, est-ce que je vais vraiment me surpasser, y mettre tous les moyens que je peux y mettre pour réaliser ce rêve? Est-ce que ça va réussir au fond? Ben, vous savez clairement, si on ne met pas les moyens pour aboutir à quelque chose que l'on veut faire, ça n'a pas de chance de réussir. Donc, mais si on y met toute la force, tous les moyens, avec intelligence et transition équilibrée, hein, faut trouver son équilibre dans la transition, et ça nous parle d'équilibre ici, il y a de fortes chances que vous obteniez le fruit de ce que vous avez mis en œuvre. C'est une question de temps, tout est relatif. Et si vous êtes dans la difficulté de du temps, hein, de ne pas avoir le temps, ou de trouver que c'est trop long, que c'est trop tard, c'est un autre questionnement que vous devez vous poser. S'il s'agit bien d'un amour non réciproque, par exemple, parce que ce n'est pas équilibré, qu'est-ce que ça, voilà, penchez-vous sur ce que vous ressentez, est-ce que exprimer votre amour, c'est déjà simplement la réponse à votre besoin profond? Hein, de ne pas rester dans le silence de vos émotions, de vos désirs, de vos envies, les exprimer tout simplement. Vous voyez, il y a différents aspects comme ça, ce besoin de rayonner. Alors ça nous parle de fraternité, hein. Ensemble servir la naissance d'une nouvelle ère, d'une ère nouvelle. Moi, je pense que c'est quelque chose à quoi vous voulez contribuer au monde, hein, votre talent, un désir peut-être de changement professionnel, d'être plus en lien avec les autres, hein, mais vous ne savez pas aller vers les autres. Est-ce que je suis bien en collectif? Est-ce que je sais être en partenaire, en partenariat avec les autres, avoir des partenaires? Pensez à ce qui compte pour vous. J'ai pas la réponse, mais en tout cas, sur votre problématique du moment, voilà un peu ce qui se joue et votre axe de travail porte sur
Voilà, cette croyance que vous doutiez de l'équilibre ici pour vous, c'est ça que vous avez regardé et je vous invite à vous questionner là-dessus. Non, 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 je vois votre question. Pourquoi ne tire-t-elle pas une carte pour me donner la réponse? Eh bien parce que c'est du tarot psychologique et que ce n'est pas de la voyance, mes chers amis. je pourrais en faire, je pourrais en faire, mais ce n'est pas ce que j'ai choisi de faire pour l'instant. Mais bon, nous verrons, nous verrons. Vos petits commentaires seront bienvenus. Merci, ami Cancer. À très bientôt si ça vous intéresse d'avoir la suite et d'avoir des questions. Vous n'hésitez pas. Merci, au revoir.